Salut à tous, on se retrouve sur Total War Rome 2 avec l'Égypte. Alors nous sommes en train d'attaquer Charmutas, enfin d'assiéger Charmutas. Ouais, ils avaient une garnison assez importante quand même. Alors En tant Tapsacus, que hop principal centre là, toi, administratif, déboule. la... Tapsacus, on vient de le prendre, parfait, nous allons pouvoir passer le tour. Il va nous falloir une nouvelle armée, je crois bien, parce que là, elle est un peu épuisée. Alors, continuons d'encercler. À l'assaut de la colonie. Et là, nous avons une attaque de Rome d'Antoine. Tiens donc, première contre-attaque de sa part. On va le faire en automatique, parce que bon. Voilà, c'est quand même des batailles navales, donc non merci. Plus ça a l'air d'être la fête à cette ville-là. Et il m'attaque. Est-ce qu'on peut faire ça en automatique? Ouais, on va faire en automatique. Voilà, parce qu'on a déjà combattu moult fois ce type d'armée. On va relâcher les captifs. Allez, non, ils veulent vraiment prendre les territoires. Occupons ceci. Ennemi blessé. Renversement. Beaucoup d'agents dans le coin. En supérieur. Alors. En rond et il me faut du zèle. Ah, ça me débloque une compétence si je fais ça. Capacité dans la brèche, tiens donc, je ne sais pas c'est quoi cette capacité. On va tenter d'aller là-dessus. Ensuite, encore un truc amélioré. Portée de déplacement sur la carte de campagne, ça j'aime beaucoup. Allez hop là, un autre rang. Attends, comme l'année pour toutes les unités, mais de lance, ouais, on va dire qu'on va en avoir. Pas sûr de mon coup. C'est quand même. Alors, on va. Chut. On va mettre la caméra dans le bon sens. Et tu vas aller défendre. Est-ce que eux, ils vont forcément contre-attaquer encore une fois? Comment puis-je aider Pharaon? Donc, tout de suite, ça c'était vraiment un tour. Il me faut des marins expérimentés. À la bonne heure. Bon. Quoi d'autre? Ok, toi t'es bon. Toi t'es pas très bon maintenant. Tu es un peu mal en point, dirais-je. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ici, nous avons les camps de tirailleurs. Donc là, ce qui serait bien, ce serait d'avoir une caserne de Holosileros. Une ferme, pourquoi pas. Tiens, attendez, j'ai jamais vu celle-là. Salle d'entrepôt. C'est des nouvelles images ou quoi? C'est possible qu'il y ait une mise à jour. Ok, qu'est-ce qu'on va prendre? Enclos, à bétail, allez hop. Parce que je ne sais pas prendre. Ah oui, ça a été mis à jour ça. Il y en a certaines que je ne reconnais point. Alors il faut refaire les bâtiments. Alors qu'est-ce qu'on a là? Nous avons ville agricole. On n'a pas de ressources, donc nous allons faire une colonie civile si je me trompe pas. Si je me trompe, ça sera ville commerciale. Nous allons hop modifier la terre consacrée. Allez, on va parier qu'ils n'ont pas. Ah ouais, mais non, je vais avoir des problèmes dans le public si je me barre. On va rester là pour le moment. Cette armée mal en point.
Ok, donc là nous pouvons recruter de bonnes troupes. Dont des éléphants d'Afrique, d'accord. Cavalerie royale égyptienne. Déjà le nom, ça claque. Bon, les phalanges, on les connaît. Voilà, bon, on peut pas recruter grand monde. Là, nous allons virer nos mercenaires. Ça va nous faire gagner bien plus d'argent, voilà. Hop, un édit. Un édit, un édit, un édit. Ici même, en effet. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ouais, problème de différence culturelle, d'accord. On a pas mal de taxes, mais pas beaucoup d'esclaves, donc on va augmenter le taux d'imposition. Alors, la prochaine cible c'est Antioche, mais ça va être légèrement fortifié, donc il va me falloir au moins une flotte et une armée complète. Avec des troupes un peu meilleures que ce qu'on a eu jusqu'ici, hein, tant qu'à faire. Alors, toi, qui va aller là-dessus? Ah ouais, mais du coup je vais pas avoir ça. Bon, tant pis. Alors, il faut encore améliorer ceci. Hop, encore améliorer un truc. Oui, c'est vrai que toi tu es un amiral. Voilà. Ok, garde éclairée. Entre Luminien et Imyar. Ah ça y est, ils se font la guerre entre eux. Parfait, ça va les occuper. Ils seront moins tentés de m'embêter. Lui c'est sûr qu'il va revenir, donc faut au moins que je laisse ça. Toi par contre tu peux partir. Alors on va s'assembler une armée avec ce qu'on a là. Ouais. Alors vas-y toi. Donne tout ce que t'as. Et tu vas récupérer. Le moins bon, quoique attendez, ça c'est des pelletas. Ah non, ce sont pas les mêmes. Cavalerie, on sera bon. Qu'est-ce qu'on enlève? Piquier. On va avoir 3, c'est pas mal. Ah, mais il y a plus des piquiers égyptiens. Bon, on va enlever lui. Faudrait enlever aussi une cavalerie. Bon, une cavalerie plutôt, cavalerie légère. L'Égypte voilà. En demande beaucoup à ses serviteurs. Charmutas. On va faire un port de type commercial encore. On va faire une cale sèche. On va faire une cale sèche. Là, je sais plus ce que je voulais faire ici. L'ordre public est bon. Ici, on améliore tout. Là, nous avons des gros problèmes dans le public. Qu'est-ce qui se passe ici? Pas que des bonnes choses, visiblement. Là, on aura un meilleur public. Sirène. Oula, oui, bah, vaut mieux améliorer ça parce qu'on n'a pas de garnison quasiment. On peut recruter quelques troupes encore. Je vis pour servir Pharaon. Cavalerie légère, lancier à chameau. Cavalerie tarentine, d'accord. Rhéteur à l'inothorax. Bah, j'ai l'impression que j'ai pas tant de nouvelles unités que ça. Bon, s'il y a les éléphants, d'accord, une unité de cavalerie. Est-ce qu'on a du nouveau là? Piquelinothorax, on n'en avait pas avant, il me semble. Non. On va pas faire que des piquets non plus. Bon, en infanterie de Bretter, on n'a pas grand chose de nouveau.
En lancier, par contre. On a du nouveau. Un peu. Piqué ligne thorax. Qu'est-ce qu'il nous reste dans cette armée? Moins des piquets. On a gardé notre cavalerie et nos archers. À part ça, il ne reste pas grand-chose. Antioche, une garnison bah de légionnaires, c'est ça qui est toujours embêtant. Et là, nous avons un champion, brave du roi. Il y en a plus ici. Ah, il y en a un seul champion, il faudrait en faire un autre. On peut pas le renverser, lui, justement. Écoutez, on a genre 4% de chance de succès, c'est pas terrible. 7%, c'est beaucoup mieux, mais on n'a pas l'argent. Pire. L'argent, ça se trouve. Hein. Allez, tente. Ouais, c'est ce qu'on dit. Alors, ah, j'avais pas un espion aussi qui était rendu en Italie, j'imagine. Alors j'ai pu augmenter les graphismes au maximum, parce que j'ai une nouvelle config. Alors j'espère que ça va rendre bien dans les batailles. Du coup j'ai ajouté un mode pour améliorer les effets de l'eau. Un nouvel enfant est né. Rang supérieur, mais doucement. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? D'accord. Pas mal ça. Empereur. Oula. Quoi d'autre? Corrompu commandant. Hop. Waouh. C'était un peu bugué. Tout petit peu bugué. Alors là. Pas mal d'enfants. Ah oui, pas mal d'enfants en effet. Très bien. Toi tu partais par où? Là, tu vas aller par là. Les trois du Bosphore. Ok. Ah, apparemment Rome Noctave a bien contre-attaqué. Manifestement. Parfait. Rome de l'Épide par contre n'a pas reculé. C'est très bien. Ici. Alors, on n'a pas de problème de bonheur en tout cas, ça fait plaisir à voir. On pourra même profiter pour réduire le bonheur. Ouais, on va faire ça, tiens. Alors toi, tu es prêt? Hop, direction Antioche. Ils hésitent à venir. Ils vont forcément venir un jour. Pendant ce temps-là, on n'a pas de garnison. On n'a vraiment rien. Ah, il faudra faire gaffe quand même. Bon, après, ils sont. Ils subissent de l'attrition, donc ils sont pas nombreux. Qu'allons-nous améliorer? Le lycée. Ah, ça va encore diminuer la nourriture, ça. Bon, et là, il y a toujours des problèmes d'ordre public qu'il va falloir régler. Ici, tout est bien. Parfait. Alors, pour améliorer l'ordre public, je propose d'améliorer les villes. Non, pas celle-là. Celle-là, ouais, ça va pas changer le cours de l'histoire, mais bon. Et là, du coup, on améliore la bibliothèque en lycée pour augmenter notre taux de recherche. Allez hop, en avant toutes. Je suis désarmé. Faut que je surveille mes relations avec mes voisins. À mon avis, faut que je me prépare à une guerre sous peu. Même si en Arabie, ils commencent à se combattre entre eux, c'est pas mal. Recherche terminée, archives économiques. Qu'est-ce que c'était que ça?
C'était pour diminuer la corruption et augmenter le taux d'imposition. Que du bon, quoi. D'accord, qu'est-ce qu'on a beau par là? Plus de croissance, plus de richesse, revendre des accords commerciaux. Si on améliore un peu l'aspect militaire. Ah, ça pourrait être pas mal ça, pour avoir un camp de mercenaires amélioré. Et là, il y a quoi de beau? Juste de morale, ouais. Faut pas oublier que nos troupes sont nulles. Voilà, bon, pour améliorer ça, ça va être rapide. Là, notre armée est refaite. Enfin, refaite. Ah, mais Nabatée est par ici aussi, c'est incroyable. Bon, on a des garnisons suffisantes un peu partout. Ah, d'ailleurs, je peux aller l'attaquer, mais bon, il va se replier. Ah, ils vont pas se replier assez. Allez hop! Ah, c'est même pas une flotte en plus, c'était une armée! Relâchons-les! Histoire que leurs copains là ne détestent pas trop. Tous ces gens-là. Salutations, mon ami! Usons de notre temps avec vous! Le commerce par avec ça. Vous et j'en suis navré! Ah, c'est un état client lui aussi, ah zut. Alors attendez. Il y a peut-être moyen de sécuriser les frontières là. Enfin, une partie des frontières. Bienvenue, honorable non, émissaire. Pas comme ça. Parlez, et je répondrai de la part de mon maître. Je propose un paiement. Oui, excellent. Vos termes sont honnêtes et je les accepte. Là, tu m'envoies ravi. Alors, c'était quoi notre objectif? Il faut qu'on contrôle 4 de ces provinces. Donc celle-là, ça devrait être bon. Celle-là, non. Celle-là, oui. Celle-là, non. Donc, on peut... Normalement, on ne devrait pas faire la guerre à Pompée. Pompée, tu es ici. Salutations. Corps commercial? Ouais. Cette offre est malheureuse. Soyez le bienvenu. On a déjà un pacte de migration. C'est parti. De la part de mon... Voilà, on gagne plein d'argent. Donc on peut faire plein de troupes. Breiter, Alinotrax, Breiter, Galat. Cavalerie légère, cavalerie royale égyptienne. Bon, c'est tellement meilleur. On va en faire deux. Une bonne vieille phalange, mes piquets à l'hydrax, l'ancien nil, ah non, on n'a plus de capacité de recrutement pour ce tour-ci. Ensuite, bon, on va améliorer cette ville-ci, ouais, ça va pas augmenter leur public par contre. L'hellénisme, c'est pas mal. Et là, je sais plus ce que je voulais faire ici. L'agriculture, on n'a pas beaucoup d'agriculture. Bon, on va améliorer ça. Hein. Casanoplite, c'est pas ici que ça me servira le plus, mais. Ah non, demi-tour. Là, ça me servira beaucoup plus. Assurément. Tout déva. Ah, il me semble que ça de base ça appartient à la Macédoine. Ah non, je suis bête, je me trompe de campagne. La Macédoine n'existe pas ici. Banquet des rivaux. Un des autres partis organisait un banquet de votre capitale menaçant votre hégémonie. Comment réagissez-vous? Bah, je vais assister, tiens. Oh, ils ont déjà fait la paix. Zut. Alors, on va améliorer ça. Tu vas devenir diplomate, mon cher. Et valeureux.
C'est Satrapie. Alors attendez, donc c'est les minéens qui sont devenus... Ah, attendez, je sais pas comment lire ces trucs à chaque fois. Bon, à mon avis, ce sont les minéens qui sont devenus une satrapie. Satrapie, oui, c'est ça. Ok, ils m'aiment bien les Izimiars. Ah, pas mal. Ah, attendez. L'Arménie, non, c'est un état client de Rome. Corps commercial ? Je suis sûr que je peux prendre. Nos marchands ne veulent pas travailler avec vous. Et mon maître ceci a dit. Tiens, tu vois, je t'ai convaincu. Toi, t'es un état client. D'accord, toi aussi. Bon, à mon avis, le front Est, c'est bon. Ceux-là, un corps commercial. Ceux-là, corps commercial. Et c'est une satrapie d'un mec avec qui je m'entends bien. Donc, c'est pas trop mal tout ça. Toi, tu cherches la bagarre. Bon, si tu te replies, c'est-à-dire que je suis plus fort. Ah, sauf que là j'avais les renforts, là je l'aurais peut-être plus. Bon, on tente quand même. Oh oui, voilà, ça va aller quand même. Ils sont nuls, et en plus ils sont endommagés. Et voilà le travail. La bâtée détruite, parfait. Alors, tu es un amiral, voilà. Tu vas être un commandant. Reviens par ici. Bon, cette flotte va plus vraiment me servir, tant pis. Sauf que du coup... Ah si, tu veux encore la porter, c'est parfait. Tu vas pouvoir assiéger Antioche. La légère, on s'en fiche. Hop. Ils ont beaucoup d'agents. Siège. Faut que j'envoie un de mes espions là, parce qu'ils sont rendus trop loin. J'ai besoin d'eux. Je suis pas allé par là. Voilà. Ah, ma finesse, le front bouge beaucoup en Italie. Ils ont re-contre-attaqué. Ça pense quoi au final? Cavalier Tarantine éléphant, lancier cuirassé égyptien, lancier thorax, piquet d'inthorax, prêteur à d'inthorax. Ouais, surtout des lanciers et des piquets. D'imposition ici. Ah, on a une augmentation de l'ordre public en plus et on galère quand même. On va améliorer ça, on sait jamais. Un petit tirailleur. Améliorons le temple d'Horus. Ici, nous allons améliorer la bibliothèque. Et ouais, pas mal. Il n'y a pas des fermes à améliorer dans le coin. C'est quoi sa tranchée minière, d'accord. Il y a la salle d'entrepôt. Et on peut encore faire quelques petites troupes. Donc là j'ai fait quoi là? Cavalerie légère. C'est-à-dire celle-là. On va faire la cavalerie civile. Et c'est à peu près tout. Non, on va plutôt faire l'infanterie. Il me manque des lanciers. Ah, c'est marrant ça, mais... Attendez... J'en ai un paquet de lanciers, mais lequel est le mieux là-dedans? Si c'est quand même les lanciers du Nil qui sont les meilleurs. Venez, rejoignez nos rangs. Et toi, tu vas venir ici en renfort. Ça, la route est bloquée, que dalle. Toi par contre tu vas aller là maintenant. Et j'ai oublié de recruter un champion. Et j'ai oublié de bouger celui-là. Tiens, on essaie de... Hop là, on fait le renversement, encore une fois.
Agent ennemi entravé. Bon, ça suffira pas. Alors là, si j'attaque, il me prévoit combien de pertes. Bon, on va se permettre d'attaquer. Sauf que du coup, je vais devoir se préparer. Imperium augmenté, parfait. Hop là, augmentation de la portée de déplacement. Voilà. Défense, bataille en embuscade dans le désert. On va plus y être dans le désert. Unité équipée de lance. C'est pas mal ça. Public plus 2, les armées de raid, d'accord. Unité en char, on n'en a plus. Pour mon plus grand bonheur. Ok, donc on annule toutes les constructions. Toi, on annule. Toi, on annule. C'était là, voilà. Et c'est parti. Ah oui, c'est pas mal ça. Atelier de siège ici. Antioche, qu'est-ce qu'on a à Tyros? On a déjà des quais. À Salamis, on a un port de pour commerce. Qu'est-ce qu'on se fait ici? Poissonnier, ou alors on va vers la cale sèche. Je vais plutôt faire qu'elle sèche. Je vis pour servir Pharaon. Parfait. Ouais, il me reste d'argent du coup. Voilà. Oh, tu vois, chez nous. Là, il va faire que de nous embêter. Non, non, la galaxie, pardon. Et c'est pas comme l'abatté. Rang supérieur pour le brave du roi. Banquet des rivaux, vous avez fait preuve de classe et impressionné tous les partis, mais les organisateurs du banquet ont aussi gagné de l'influence. Et, ah, ça augmente la loyauté, c'est pas mal. Alors là. Kabumbo. Plus 2 de morale, plus 1 capacité de recrutement dans l'armée, c'est pas mal ça. 400 richesses gagnées après une action réussie. Ah, mais je dis oui, monsieur. Bah, tu peux directement aller réattaquer en fait. Alors, où est-ce qu'on attaque? On va attaquer par là, je pense. Après, je vois pas ce qu'ils ont, malheureusement. Tu peux pas, si tu peux. Attends, bah. Déjà, ce qu'ils ont. Ah! Donc, faut s'attaquer à Tartus d'abord. C'est bon à savoir. Est-ce que je peux avoir de nouveaux agents? Non. Donc, faut tuer ceux-là. Blessé! Ah! C'est dommage. Je sais pas ce qu'ils ont. Comment puis-je aider Pharaon ? Le problème c'est que, à mon avis, je peux même pas. Ça va être compliqué de les battre. À votre service. Prêt pour vos ordres. Et Antioche. Ah oui, pour l'instant j'ai que dalle. On va peut-être attendre un peu. Pour la bataille. C'est un honneur de servir. Oui. Erneborn. Monseigneur. Ah, je sais pas ce qu'ils ont dans cet tas, mais de toute façon je pourrais pas l'attaquer. 13 unités, ils ont 6 légionnaires. Ouais. Voilà, bon, même s'ils viennent, il y aura les renforts qui arriveront, ça devrait le faire. Là j'avais dit cale sèche. Ou alors, ouais, cale sèche. Et là, ah bah, le choix est légèrement limité, voyez-vous. Allez, tu arriveras un jour. Ça ne suffira pas. On vient le lycée.
une petite troupe en plus. Un cavalier, on avait dit le cavalier civil. Voilà. Bon, bah voilà, qui est pas trop mal. Rome a rechangé de propriétaire. Toi, tu vas par là. Ok, tu remontes. C'est pas mal de se trouver des alliés au nord. Bon, quoi qu'il en soit, nous allons nous quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Salut à plus. Salut à tous pour la prochaine.